Bonjour à tous, si tes voisins tu as envie d'espionner, bienvenue sur les gros jeux du PC. Et aujourd'hui ça tombe bien, puisque comme des petits vicelards qu'on est, des petits pervers qu'on est, eh bien on va devoir espionner nos voisins, on va devoir les épier, on devra fouiller dans leur vie personnelle, découvrir leurs petits secrets. Puisqu'aujourd'hui, eh bien on va jouer à Orwell, Ignorance is Strength, qui fait partie, eh bien c'est le deuxième jeu de, on va dire, de la licence Orwell. Le premier c'était Keeping an Eye on You. Et eh bien tout ça, effectivement, on va faire des choses pas très très jolies, mais c'est pour le bien de la nation, puisqu'on va faire partie du projet Orwell, qui, comme son nom l'indique, est un projet de surveillance généralisée. Donc effectivement, on est des petits pervers, on est des petits vicelards. Quand on regarde les TV réalités, bah, c'est pour mater du gros nichon et se fendre la gueule. Sauf que là, c'est moins rigolo, puisque c'est le gouvernement qui va te regarder, et qu'en plus, on va être payé pour ça. Donc voilà, c'est développé par le studio, c'est un petit studio, Osmotic Studio, et en gros le jeu il est un petit peu entre le puzzle, la réflexion, l'enquête, et bien sûr en fonction de comment on gère l'enquête, et eh bien ça va avoir un impact sur l'histoire. À savoir que le projet Orwell, eh ben, c'est un algorithme hyper puissant qui peut aller chercher les infos sur tous les réseaux informatiques et les bases de données existantes. Mais que, bah, il est très puissant Orwell, mais il est très très con, donc il a encore besoin d'une présence humaine pour trier et interpréter les données. Et eh bien ce sera notre rôle, nous, en tant qu'investigateurs, de trier les pièces à conviction, si on peut les appeler comme ça, de leur donner une signification et de les transmettre au supérieur, qui va décider, en fonction de ce qu'on trouve, de lancer telle ou telle procédure. Et bien évidemment, tout ça, ça va avoir un impact, puisqu'il y a quand même une histoire de libre arbitre, et que forcément, il y a des moments quand on connaît un petit peu les motivations personnelles et qu'on connaît un petit peu l'histoire de quelqu'un, et eh bien on a un peu du mal à le condamner même s'il est coupable. Donc en gros, on a la possibilité d'envoyer des gens en taule alors qu'ils sont innocents, mais on a aussi la possibilité de laisser normalement des criminels ou des gens qui ont mal agi parce qu'on a oublié de fournir, comme ça, oups, on n'en a pas fait exprès, de fournir des pièces au supérieur. On va se commencer une petite partie, et puis bah, je vais expliquer ça au fur et à mesure, et on va comparer les deux épisodes. Alors c'est pas les deux épisodes, c'est les deux jeux qui sont composés, bah, chacun de 3 et 5 épisodes, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, 2-3 précisions quand même avant de lancer le jeu. J'avais pas précisé que le jeu était intégralement en anglais. Le premier était en anglais, le second est en anglais. Il n'y a pas de sous-titres, donc il faut parler un minimum anglais pour comprendre ce qui se passe. Il faut quand même avoir un minimum de vocabulaire pour pouvoir s'en tirer, puisque déjà, l'anglais qui est parlé, eh bien, c'est quand même un anglais de bonne qualité, avec plein de mots techniques, plein de saloperies. Donc clairement, si vous parlez quasiment pas anglais, ça vaut pas le coup, parce que vous allez vous faire chier, vous allez rien comprendre. Et ce sera une perte de temps. Deuxièmement, le jeu repose quand même beaucoup sur la lecture. Donc si vous n'aimez pas lire, eh bien c'est perdu aussi, étant donné que c'est des centaines de lignes de dialogue, c'est des dizaines de dossiers à éplucher, c'est posé, il n'y a pas d'action, donc clairement, si votre truc c'est plutôt Call of Duty, bah, vous pouvez laisser tomber, parce que là aussi vous allez bien vous faire chier. Et troisièmement, eh bien, il faut pouvoir tolérer aussi les interfaces un petit peu façon tableau Excel, étant donné que bah, tout ça, on va naviguer dans des onglets où tout est bien rangé et où c'est assez facile de s'y retrouver, enfin du moins la majeure partie du temps, mais c'est austère, et graphiquement, moi je trouve que ça a son style, ça a son charme, mais les esthètes, eh ben, ça va leur foutre la gerbe totale. Donc là, c'est pareil, vous pouvez zapper. Donc en gros, si vous pouvez pas saquer les tableurs Excel que vous n'aimez pas lire, et que en plus vous ne parlez pas anglais, bah, autant dire que là, le jeu, il n'est pas fait pour vous. Alors je vais choisir une petite tête, ça pourrait coller. Mais voilà, j'ai plutôt hop, et puis on va la jouer comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est. C'est très très beau. Alors le projet Orwell, The Office, qui va embaucher Matt Harry, je crois que j'aime bien me bidonner. Oh putain, les cons. Ouais, vas-y, on part comme ça. Allez, c'est parti. Donc pour le jeu, ça va se passer comme ça. Après, étant donné que le jeu est en anglais, bah, vous inquiétez pas, parce que mon professeur, bah, moi c'était Jean-Claude Van Damme, et que du coup je speak very good English, very well. Alors je vais traduire carrément les textes pour vous. Alors
traduire les textes, je vais plutôt faire un résumé parce que si je dois traduire tous les textes, je pense que là on en a pour des heures. Et puis dernière chose concernant le jeu, alors pourquoi il s'appelle Orwell? Bah, tout simplement parce que c'est le nom de l'écrivain George Orwell. Et juste pour la petite histoire comme ça, parce que c'est assez intéressant, c'était un écrivain et un journaliste des années 50, et notamment qui a écrit 2-3 romans qui étaient plutôt de la science-fiction ou de la dystopie. Et il s'avérait que le gars a mis quand même pas mal de morceaux de vérité dedans et qu'il avait vu juste. Et c'est marrant de voir qu'un bonhomme comme ça, des années 50, a plutôt raison sur ce qui se passe en ce moment avec les fake news, les restrictions de liberté, blablabla. S'il avait écrit en ce moment, il aurait été considéré comme un gros conspirationniste, mais en fait, il met quand même pas mal dans le mille. Et il y a des tas de petites phrases, alors notamment les titres des jeux. Alors le premier c'était Keeping an Eye on You, ça veut dire on garde un œil sur toi. Et le deuxième, Ignorance is Strength, ça veut dire l'ignorance est la force. Et ça c'est une phrase qu'il a prononcée lui-même, c'est dans ses romans, et je vous conseille de lire 1984. Il en a d'autres comme ça. Alors la guerre c'est la paix, et la liberté c'est l'esclavage. C'est des phrases à la con, mais finalement quand on y réfléchit, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Notamment la guerre c'est la paix, qu'on va foutre le bordel ailleurs, on balance des bombes, mais c'est la paix. Donc finalement là aussi c'est absurde, mais ça colle plutôt pas mal. Et donc voilà pour la petite histoire. Donc là je vais avoir un test d'habilitation. Un des deux, qui va me permettre de savoir si je suis sélectionné pour travailler pour The Office. Alors là, il y a les termes, je suis volontaire pour affecter la vie des citoyens et des non-citoyens de The Nation. The Nation, c'est le pays dans lequel on va évoluer. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour garder la nation hors de danger, hors des coups durs, hors des blessures. Et pendant que je travaille, j'adhérerai uniquement au statut et au principe de The Office. Alors là, moi, je vote carrément pour. Et on va pouvoir commencer gentiment. Matari, ça va quand même être magnifique. On va pouvoir commencer notre test d'aptitude. Et donc on va avoir pas mal de petites phrases, des questions à la con. Dans les phrases suivantes... Quelles sont les phrases suivantes qui correspondent à votre attitude? Alors, je veux être pionnier dans le plus avancé des programmes de sécurité. Je veux faire de The Nation une place plus sûre. J'aime espionner les gens. Entre là, je mettrais bien en me tripotant, mais ça y a pas, c'est bien dommage. Je veux protéger les gens du danger. Ou alors, je suis ici pour le monnaie, la fraîche, le pognon. Voilà, ça c'est fait. Bon, puis moi en plus j'ai un loyer HLM à payer, hein, donc il faut bien vivre, ma brave dame. Ensuite, bien sûr, j'aime espionner les gens, hein, c'est mon passe-temps favori. Je veux faire de The Nation une place plus sûre. Et allez, on va se mettre celle-là quand même, parce que les gens, on en a rien à foutre. Par contre, je veux être pionnier dans le plus avancé des programmes de sécurité. Voilà, là, ça me fait bien kiffer ma race. Vas-y, Matari. Parmi les personnes suivantes, considérez-vous... Quelles sont les personnes parmi les suivantes que vous considérez comme ayant pu commettre un crime? Alors là, ça va être compliqué, hein. Vu comme ça, c'est pas très très facile. Lui, il a une tête de Yakuza un peu, j'ai envie de dire. Donc il a l'air très très net, hein. S'il a des tatouages sur le corps, moi je le foutrais bien en geôle. C'est juste qu'elle est... elle a un gros pif comme ça, elle a une tête... elle a une tête de pédophile, elle. Elle, c'est sûr, elle a commis des crimes. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle est trop dégueulasse pour être honnête. T'as pas de chance, toi. Tu portes le voile, à la Wakbar, tous les coups, t'es terroriste. Hein, voilà. Et puis toi, t'as pas de chance non plus. Parce que t'es noir. C'est un peu raciste, mais... Moi, on me demande comme ça d'accuser des gens sans preuve. Le Yakuza, je le garde. Parce que on va peut-être aller bouffer ensemble ce week-end. Je peux peut-être lui arranger le coup, tu vois. S'il me file un petit peu de blé, je sais pas quoi, on verra bien. Hop, on valide.
Ah, je pense que je suis bien parti pour le test. Des phrases suivantes. Quelles sont les phrases suivantes que vous considérez comme étant vraies, s'il y en a? Alors, là déjà, ouais. Là, la vérité absolue existe. Ça, déjà, moi, la vérité comme ça, je kiffe. Hein. Un gouvernement devrait préserver la vie de ses citoyens par tous les moyens nécessaires. Alors là, attention, là, ça fait un petit peu Allemagne des années 40. Hein, voilà, ça nous rappelle un peu les heures les plus sombres de notre histoire. Mais pour The Office, voilà, c'est un peu totalitaire. Mais bon, je pense que ça devrait passer. Une loi injuste peut être et devrait être violée. Alors là, moi, je suis représentant de la loi. Et là, clairement, bah, ça colle bien. Hein. Je peux dépanner, quoi, disons que la loi, c'est bien, mais bon... Bon, si je peux faire un extra ou deux comme ça, ça peut le faire. Il y a toujours deux côtés dans chaque histoire, ou alors... Il n'y a rien de plus qu'un mensonge justifié. Bon, ah, ces trois-là, non, je les garde. Je pense que c'est plutôt pas mal. En vous donnant le choix... Préfériez-vous avoir votre dossier médical, pas observé, mais comment dire, ouais, observé, investigué, je sais pas trop comment on dit, ouais, pour enquête, ouais, voilà. Alors, préférez-vous que ce soit le dossier médical, ou est-ce que c'est plutôt le dossier, le profil des rencontres, le profil personnel? Alors bon, là, je suis un peu gêné, est-ce que je donnerais bien mon dossier médical? Mais je souffre de vaginose aggravée. Bon, puis avec les mycoses que je me tape, bon, ça fait pas très glamour au bureau, alors bon, du coup, je vais leur filer mon... Voilà, mon petit profil de rencontre. Je pense qu'ils vont être contents. En plus, bon, ça va faire jaser. Parmi les informations de votre profil de rencontre... Quelles informations seriez-vous volontaire à fournir? Alors, ouais, allez. L'image de profil, bon, de toute façon on colle toujours des images vieilles de 10 ans, alors ça va pas trop les dépanner. Ouais, voilà. Les préférences sexuelles et puis les petites, voilà, les petits... Les quirts, c'est un peu les... Pas les spécialités, mais c'est un petit peu les petites habitudes, tu vois, renifler des chaussettes ou des trucs comme ça. Bon, ouais, je pense qu'ils vont kiffer. Quand ils vont voir que je me tape des pieds de chaise et que je suis un peu zoophile sur les bords, je pense que ça va faire un peu parler au bureau, ça va être sympa. Mes sextos, bah oui, bien sûr, transcription totale complète de mes conversations. Allons-y. L'orientation sexuelle, bah on est plus là. Hein. Enfin là, y a pas de souci. Hein. Je pense que là, en plus je suis lesbienne. Ils vont être dégoûtés les mecs. Hein. Et puis les temps et les durations, c'est les temps de relations, c'est la durée des relations. Ça par contre c'est personnel, on y touche. Ouais, c'est privé. J'en ai déjà filé pas mal. Confronté à la situation ci-dessous, quelle action prendriez-vous? Votre meilleur ami se vante, ou voilà, il est un petit peu optimiste, donc il parle de son boulot alors qu'il vient d'être accepté à Orwell. Mais depuis que vous travaillez à Orwell, vous savez que parler de votre job est punissable d'emprisonnement. C'est enfin condamnable d'emprisonnement. Donc ça c'est un peu ballot. Il me l'avait pas dit ça les mecs. Alors qu'est-ce que je fais sans dire un mot à mon ami? Eh bien, j'informe les autorités nationales dès que j'en ai la possibilité. J'avertis mon ami que je travaille aussi pour Orwell et que je vais devoir en informer les autorités s'il continue. Je feins l'ignorance, mais avise mon ami de ne pas parler d'un boulot aussi délicat, ou alors je ne fais rien du tout. Comme je m'en branle un peu, je vais rien dire. Alors, c'est des questions à la con tout ça, hein, mais ouais, je me souviens, je suis passé dans une boîte d'intérim il y a quelques mois, et il m'avait fait remplir un dossier à la con, avec des questions à la con, un peu de ce genre-là, mais beaucoup moins poussé, et surtout en dernière page. Alors ça, c'était quand même le cadeau, bonux, c'est qu'on me demandait quel journal ou quels journaux je lisais.
J'ai trouvé ça un peu déplacé pour des missions d'intérim de merde de poser ce genre de questions. Alors j'ai pas répondu, et du coup ils m'ont pas rappelé les petits bâtards. C'est quand même bien dommage, mais si j'avais su, je pense que j'aurais dû balancer un petit truc genre, je sais pas moi, Parti Communiste Magazine, ou alors qu'est-ce que j'aurais pu trouver, ouais, Rébellion ou Révolte Newsweek. Je pense que ça leur aurait fait plaisir. Alors, ah bah j'ai été refusé, putain, résultat insuffisant, j'ai foiré mon test d'attitude, et je vais être disqualifié de manière permanente. Bah c'est très très con. Après, ceci dit, on me file encore des options. Alors, disqualifié de manière permanente, mais j'admets que mes choix étaient foireux et je refais le test. Ou alors, je ne peux pas changer mes réponses car elles reflètent honnêtement mes opinions et j'accepte d'être disqualifié. Mais comme je suis Matahari et que j'ai des couilles, et bah voilà. Plus on est de fous, plus on Matahari. Hello, O'Brien. Is that you? I have to disappoint you. What? Alors ouais, pendant la petite cinématique, bah, je ferai un résumé après. Je parle rapidement du premier jeu. Le premier jeu était loin d'être parfait, mais justement, le jeu appuyait sur quelque chose d'hyper bon, à savoir qu'il appuyait sur un peu la surveillance généralisée, les données, les écoutes, les dérapages que ça pouvait engendrer, mais il le faisait de manière très fine, à savoir que c'était des situations où finalement, la surveillance en elle-même n'était pas réellement dangereuse, mais que quand ça commençait à déraper et qu'on faisait n'importe quoi, et ben les conséquences, elles étaient monstrueuses et ça pouvait aller très loin, surtout lorsqu'on sortait des informations ou des phrases ou des données de leur contexte, ce qui pouvait être complètement désastreux et qui était en fait contre-productif. Et il y avait pas mal de choses en termes de narration qui font qu'on s'attachait au personnage, et que finalement le travail d'enquêteur qui devait être fait de manière froide, objective et impartiale, et ben finalement on s'apercevait que c'était pas toujours le cas, puisque en fouillant dans les affaires, en connaissant les motivations personnelles, les états d'âme, l'histoire de chaque personnage, on avait tendance à dévier un peu, à en tenir compte, et finalement il pouvait arriver que on donne des circonstances atténuantes en ne communiquant pas certaines informations aux supérieurs, alors que ça j'aurais dû. Ou alors simplement charger un dossier parce que le mec en face c'était un connard. Et donc le jeu était bourré justement d'embranchements où chaque décision avait vraiment une conséquence. Et ça pouvait simplement aller de faire échapper la personne à la faire tuer ou à la faire emprisonner. Il y avait tout un tas de choses. Et pour ça le jeu était très fin et posait énormément de questions. Et c'était un excellent jeu. Alors après on va le comparer avec celui-ci. Et on va voir ce que ça donne, sachant que le jeu reprend exactement le même principe. Et il n'y a pas grand chose qui change, il y a des outils qui changent, il y a une réflexion qui est un peu différente. Et donc voilà, bon, on va se lancer dans la partie. J'ai pris le tutoriel parce que le jeu se barre rapidement en vrille, donc c'est bien difficile à suivre. Mais là au début au moins, on va essayer d'accélérer et puis au moins on verra pas mal de choses. On verra pas tout, mais voilà. Si on finit le premier chapitre, on aura vu à peu près un tiers du jeu. Sachant que les deux autres chapitres sont plus longs, et donc voilà. Donc là, le tutoriel. Voilà, bon, il faut être très très loyal avec The Office. Et The Office, on va faire un petit descriptif vite fait. C'est une branche un petit peu underground du programme Orwell. Le programme Orwell qui est un programme de surveillance généralisée. Et ils sont un petit peu en dehors des tablettes. Le gouvernement n'a pas vraiment, comment dire, connaissance des agissements. Ils sont plutôt autonomes. C'est une espèce d'état profond qui fait un petit peu ce qu'il veut et qui va défendre le pouvoir en place, qui va utiliser tous les moyens possibles pour défendre le pouvoir en place et donc le gouvernement, parce qu'ils s'entendent plutôt bien. Et donc voilà. Donc, à savoir que notamment Orwell, et ça on en parlera après, a normalement un minimum de... il y a une charte éthique, hein, même si elle est pas... il y a un code éthique, même s'il n'est pas tout le temps respecté. Sauf que The Office, étant donné qu'il est un petit peu au-dessus de Orwell, bah clairement, The Office s'assoit gentiment sur le code éthique,
Et puis bah, tout ce qui est notion de morale, bah, il se torche un petit peu avec. Disons qu'il utilise le PQ uniquement quand il a fini de se torcher avec, avec tout ce qui est valeur morale et compagnie. Donc voilà, et effectivement, l'orientation du second jeu est quand même différente de, du premier jeu. Et on y reviendra, mais il y a quand même 2-3 choses qui ne vont pas. Donc en gros, The Office va se retrouver confronté à un blog. L'histoire c'est en gros, hein, parce qu'il y a pas mal de rebondissements, il y a pas mal de petites choses. The Office va se retrouver confronté à un blog qui s'appelle La Voix du Peuple. C'est quoi? C'est le nom, c'est The People's Voice. Et qui a tendance un petit peu à donner de l'information et à lâcher des dossiers un petit peu confidentiels et avec des informations un petit peu gênantes pour le pouvoir en place. Donc notre but, nous, entre autres, on est là pour enquêter normalement, mais ça va être justement de creuser, d'enquêter sur les personnes qui sont responsables et les fondateurs du blog, voir ce qu'on peut sortir de ces personnes-là, déterrer des dossiers un petit peu pourris et pourquoi pas en même temps discréditer le blog pour finalement et bah, affaiblir le pouvoir du blog qui prend de plus en plus d'importance, qui diffuse de l'information. Alors là on a eu une conversation entre justement le fondateur du blog et un militaire. Bon, je fais un résumé, en gros ils sont pas très d'accord sur ce qu'est la vérité, et puis visiblement ils ont quelques comptes à régler, et ça se finit par une menace de mort avec notamment le fondateur du blog qui explique qu'il n'y a qu'une chose à propos de la vérité qui est certain, c'est que la vérité est morte, et comme tu le sauras bientôt. Ah, c'est plutôt, ouais, ça met dans le bain, c'est plutôt encourageant. Donc on sait que cette personne elle, qui a été menacée s'appelle Oleg Baquet, que c'était un militaire, et que peu de temps après ses déclarations, eh ben, le militaire a disparu. Donc on va commencer par résoudre cette affaire-là. Et en même temps, au profil, on va ajouter le fait qu'il a été menacé de mort. Alors Orwell, il est très puissant, mais comme je le disais, il est un petit peu con comme un pied de chaise ou comme une table de jardin. Par contre, ce qui fait bien, c'est que toutes les informations un petit peu intéressantes ou sensibles, il est surligne déjà. C'est-à-dire que si on a peur de se perdre dans les lignes du texte, au moins il surligne les morceaux qui sont vraiment importants. Après, c'est plus le contexte qui va dire, voilà, qui va donner plus de précision, qui va en dire plus sur l'histoire. Alors, les menaces de mort donc à propos du militaire, et ben ça tombe bien puisqu'à partir de là il y a un article qui est sorti dans le journal officiel qui s'appelle The National Beholder, qu'on pourrait traduire par l'Observateur National. Ça aussi c'est intéressant, tous les noms qu'ils donnent en fait et les parodies de réseaux sociaux qu'ils donnent, généralement il y a toujours une signification derrière. Donc voilà, l'Observateur National nous sort un article là-dessus en nous expliquant que Monsieur Baquet faisait partie donc de l'armée alors pargésienne, je sais pas comment on dit ça. Ça c'est le pays d'à côté, puisque nous on est dans The Nation. Et ce qui nous arrange, c'est que quand on va commencer à compléter le profil, eh bien on a besoin d'une petite photo, et là c'est le journal qui nous la fournit. Donc là c'est plutôt pas mal. Au moins on sait à quoi il ressemble. Et apparemment, il est avéré qu'il a bien eu une conversation avec le fondateur du blog, et que c'est la dernière personne qu'il a eue en ligne avant de disparaître. Alors, est-ce qu'il y a eu réellement un problème? Est-ce que les apparences sont trompeuses? Eh bien, on va savoir ça un petit peu plus tard. Sachant que tout à l'heure, je parlais du code éthique, et que normalement, le code éthique fait que dans Orwell, on a des autorisations de fouiller à de différents niveaux uniquement si on a suffisamment de preuves pour désigner une personne comme une cible. À savoir que s'il n'y a pas assez de preuves suffisantes, eh bien tout ce qu'on peut faire c'est fouiller dans les blogs, les profils on va dire publics, donc les sites internet, les profils publics, hein, merci Facebook, et les sites d'entreprise. Et quand on a assez d'informations, eh bien on peut désigner une personne comme une cible, et à partir de là c'est open bar. Donc dans le cas de Oleg Baquet, bon là comme c'est un militaire c'est un peu différent, eh bien les autorisations sont données, et en rentrant son nom directement, eh bien on a accès à la page de l'armée avec ses états de service. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien déjà ça peut être intéressant parce qu'on sait qu'il avait un nom de code, notamment Janus.
Première infanterie ouais, de division, division d'infanterie, ok, d'accord. Alors on n'est pas obligé de tout prendre, hein. Normalement il faut trier les informations qui sont intéressantes ou qui ne le sont pas. Si on met trop d'informations, bah, on perd du temps. Et puis après ça donne une bouillie qui est pas gérable pour interpréter les infos, ça foire un peu. Et puis bah, c'est là où aussi ça peut jouer sur le contexte, donc coller une fausse affirmation dans les pièces à conviction, et bah, ça peut modifier le dossier et ça peut avoir des conséquences, donc il faut quand même lire un minimum ce qu'on fait. Là il n'y a pas grand chose, j'ai quand même marqué qu'il était médaille d'honneur pour avoir sauvé des civils. Donc jusque là c'est quand même pas, ça a pas l'air d'être un mauvais bougre. Et puis là on apprend qu'il a protégé Prava, donc c'est la capitale du pays voisin, contre des groupes anti-gouvernementaux durant la guerre civile de Prava. Donc bon, pour l'instant le gars a fait son job, bon, il a sauvé des gosses, il a dû faire des conneries, mais pour l'instant il n'y a rien de... puis il était capitaine. Bon. Là-dessus, eh ben, ça tombe bien puisque là... on tombe bon alors Janine ouais hop on tombe eh bien sur le la base de données donc des agents et ça tombe plutôt bien puisque là en cliquant ici on devrait avoir les alias donc les différents noms et il avait un nom de code Janus. Alors on va foutre Janus dans le bordel et puis on va voir ce que ça donne et voilà notre bon Janus. Donc, qui s'appelle bien Oleg Baquet, qui a moins de barbe, qui est un peu plus jeune, mais c'est bien lui. On peut mettre éventuellement sa date de naissance, ça peut servir. Sa nationalité, je pense qu'on s'en branle un peu. Ce qui est intéressant, c'est que là, alors, c'est un informant confidentiel, donc en gros, c'est un agent infiltré comme officier dans l'armée pargésienne. Alors ça c'est intéressant, parce que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les accès ont été libérés tout de suite, parce que c'est un ancien militaire, et en plus c'est un agent infiltré qui bosse pour Z-Nation et qui a été infiltré dans le pays voisin en tant que capitaine. Voilà. Ça pue un peu du zboub quand même. Là-dessus, on a le numéro de série de son téléphone sécurisé. Et comme Monsieur Baquet est une cible, voilà, c'est là où on va commencer à s'amuser, on va voir ça juste après. Mais là ça va être open bar. Bon là il a un petit. Voilà, il y a quelques notes sur le plan personnel. Et en plus, bah, il a tendance, ils ont remarqué qu'il avait tendance à utiliser les noms des gens de ses proches comme passeport. Pas comme passeport, mais comme mot de passe. Autant pour moi. Après, je pense que là, on a fait le tour. Une photo, on en a déjà une. Et puis, bah, du coup, en ayant le numéro de série du téléphone, eh ben, on peut aller fouiller dans... Ah, pas de chance. Là, celui-là, il est verrouillé. Donc, il va falloir trouver un moyen de trouver... On ne peut pas forcer. Visiblement, même comme c'est un téléphone protégé, même Orwell ne peut pas briser le code. Donc, il va falloir trouver un moyen détourné de l'avoir, le foutu code. Alors, on ira chercher ça plus tard, c'est pas grave. Puis on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Ça c'est fait. Voilà. Et là ça devient intéressant puisqu'on va prendre le deuxième profil, donc celui de Robin Wart, qui est justement donc là, on l'apprend dans l'article du journal, qui est connu comme éditeur en chef et fondateur du hautement controversé blog The People's Voice. Donc la voix du peuple. Alors ça voilà, on commence. Coller les infos là, c'est pas grand chose mais ça donne déjà une indication. Et l'avantage c'est que quand on colle les morceaux d'informations qu'on a choisi à gauche, et bien automatiquement Orwell va aller chercher dans toutes les bases de données voir ce qu'il en ressort et ben, ça c'est le genre d'information qui peut nous mener ailleurs. Là par contre il faut faire attention aussi, c'est que en mettant n'importe quoi à gauche, à savoir que quand on a téléchargé une pièce à conviction ou un indice ou un document, il est impossible de le retirer. Donc tout ce qu'on met à gauche, en fait, c'est définitif. Donc si on s'aperçoit 10 minutes après qu'on a posté une connerie, eh bien on ne peut pas revenir en arrière et notre belle supérieure qui est là, qui est complètement conne, eh bien elle prendra pour argent comptant ce qui a été posté. Et elle appliquera la procédure très froidement. Il n'y aura pas moyen de négocier ou de changer les
de changer les données ou les documents, même si on s'aperçoit qu'on a fait une connerie. Nous voilà sur donc le fameux blog hautement controversé, avec différents articles, avec notamment The Nation Burns Again, La Nation Brûle Encore, puisque oui, pour la petite histoire, c'est que les deux jeux sont indépendants, donc Orwell Keeping an Eye on You et Ignorance and Strength, je vais y arriver, c'est deux jeux séparés qui sont jouables séparément, on n'a pas besoin de connaître l'histoire de l'un pour jouer à l'autre. Il y a quelques crossovers avec, oui, des clins d'œil et tout ça, mais c'est deux jeux indépendants. Par contre, les deux jeux se passent au même moment dans des histoires parallèles, et les deux commencent au moment d'un attentat à la bombe, notamment sur la place de la Liberté à Bonton. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Voilà. Bon, là, ça c'est les accusations, où justement, la voix du peuple explique que on a un gouvernement de corrompus, de leaders corrompus. Et puis là, c'est juste des... c'est juste des phrases, mais il a comparé réellement d'importance. Donc on peut passer à autre chose. Ça a été fait. Ici, on a dit que le téléphone était bloqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut aller regarder? Alors, j'ai lu que cet article-là... Le président marionnette. Alors un petit article. Où là apparemment on dévoile que Cassart, donc c'est le premier ministre ou le président du pays voisin, qui est contrôlé par The Nation, donc par notre pays. Donc il y aurait un léger problème d'indépendance. Et que là, on a accès au compte Blabber. Qui est une espèce de... ça doit vouloir dire blabla. C'est un petit peu une espèce de Twitter où on retrouve un peu les mêmes merdes avec les avis des gens et puis les réactions qui s'enflamment un peu. Et justement, en trouvant l'adresse ici, on va avoir accès à Blabber et puis on va pouvoir voir un petit peu ce qui se raconte. Et c'est là où ça va commencer à devenir intéressant, puisque ce qu'on voit en jaune, ce sont généralement deux phrases. Donc là, elles se trouvent au même endroit, donc là c'est facile. Mais c'est deux phrases où justement Orwell a détecté qu'il y avait un conflit entre les deux citations. Et comme il est impossible pour lui d'interpréter les infos, il faut savoir laquelle est la bonne. Alors ça dépend du contexte, ça dépend du ton utilisé, ça dépend du second degré ou pas du second degré. Mais il va falloir choisir et approfondir le sujet avant de raconter des conneries. Donc là, on a par exemple la première citation donc du fondateur de Rabanvart, du fondateur du blog, où il explique que le militaire, donc Oleg Baquet, ne lui manquera certainement pas. Donc ça, c'est pas très très gentil, Raban. Et puis, comme il y a eu des réactions pas très sympas, finalement, il s'est un peu ravisé en disant qu'il n'est pas, heureux que Oleg soit porté disparu. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Je pense que là, il y a un peu d'hypocrisie, donc là, c'est de l'interprétation. Parce que pour changer d'avis en 10 minutes, c'est juste que le mec avait peur à son cul, donc il s'est ravisé vite fait. Mais nous, on a l'œil un peu partout. Et puis là, on va lui mettre ça aussi, ça. Tiens, ça, c'est un peu une déclaration de guerre, où il dit que les médias ont manipulé les pensées de l'humanité. Que ça a assez duré et qu'il est temps de se débarrasser de l'ennemi. Hop, là-dessus, ça fait ling ling. Donc là, on a peut-être trouvé des choses. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc ça, c'est les utilisateurs, ok. On a les logs. Bon, pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Okay. Donc là, rien du tout. Alors, la discussion. Qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend... Raban se justifie un petit peu en disant qu'il n'a rien à voir avec la disparition de Baquet. Est-ce qu'il a été un petit peu agressif? Oui. Alors, ça dépend ce qu'on appelle un petit peu agressif. Bon, il l'a menacé de mort carrément.
Et ensuite, bah, apparemment, les deux bonhommes se connaissaient, puisque avant que le militaire parte de l'état d'à côté, donc de Parmesan, j'allais dire, non, de Parge, eh bien, il a eu l'idée, en fait, de rejoindre l'armée parghésienne, et il a demandé, justement, à Rabban de s'occuper de sa fille de 14 ans. Donc les deux bonhommes visiblement s'entendaient bien, puisque même le militaire a laissé sa fille à Rabban. Donc à la base ça se passait bien. Mais il y a dû y avoir une merdouille quelque part, parce qu'ils ont plus l'air d'être très très d'accord, et c'est un petit peu l'air de chier dans le ventilo. Ouais, bon ça on va le mettre quand même, parce qu'il admet quand même l'avoir appelé, puis avoir été agressif, mais après on a l'enregistrement de la conversation, donc il aurait un peu du mal à démontrer le contraire. Et puis là, on a une information qui va certainement être en conflit avec une autre qu'on n'a pas encore trouvée, où il explique que le militaire a décidé de partir de Z-Nation pour trouver un travail ici. Enfin du moins un travail à Z-Nation. Et a quitté son pays pour ça. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? La ville de Prava, donc de ville de l'État l'État voisin. Qu'est-ce que vous allez faire contre les FTP? Alors c'est pas les FDP, hein, c'est un peu, mais c'est des rebelles ou des insurgés, puisqu'il y a une guerre civile dans l'état d'à côté. Et les FTP, eh bien, étaient confrontés à l'armée régulière, donc de l'état. Et là on apprend que Monsieur Rabenwart, il était principal de l'école secondaire de la ville de Prava. Voilà, pouf, un document a été trouvé. On va continuer encore un petit peu. Et là, voilà le conflit, c'est que Oleg Baquet ici raconte que il n'avait pas l'intention de quitter son pays pour aller où, à Z-Nation. Cette espèce de minable petit morceau de terre, jamais. Là, du coup, il a pas l'air. Voilà, effectivement, ça rentre en conflit avec la déclaration qu'il a fait dans le journal un peu plus tard, où là il était parti pour Z-Nation pour trouver un travail. Après on voit que ça a été en 2017, et on voit que celle-là elle a été en 2003, donc il y a quand même 15 ans entre les deux, bon les avis peuvent changer aussi. Et on apprend que Oleg, ah bah tiens ça peut être intéressant, donc on va changer de profil, et on va reprendre Oleg, on apprend qu'il a une fille. Ce qui va plutôt nous dépanner. Là on est pas mal, puis ça on va y revenir après, mais déjà avec le nom de sa fille, et eh ben ça peut-être nous ouvrir des portes. Alors tout ça c'est de la logique, hein. Au début on cherche et c'est un peu galère, il faut éviter de perdre le fil parce qu'on a tendance après à s'éparpiller sur 5 ou 6 choses à la fois. Et là on a maintenant ça va pas être tout de suite ça, on va le laisser, c'est l'école secondaire, on va aller faire un petit tour par là, pareil les réactions sur Blabber qui sont pas intéressantes d'ailleurs, donc on s'en fout un peu. Ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Et dans la ville de Prava, donc on apprend que l'administration de l'école a demandé la protection de l'armée régulière parghésienne. Donc ça... Hop, l'autorité scolaire, eh bien, c'était Rabban, qui était donc directeur, qui a demandé ça. Peut-être pour ça que les deux bonhommes se connaissent. Et puis, à la fin, pour protéger les enfants, dit-il, visiblement, il a demandé à transformer la bibliothèque en abri. En abri anti-bombardement, en abri, voilà, histoire de se protéger au cas où. Comme c'est guerre civile, ça craint un peu du boudin. Et à partir de là, bon, pour l'instant, on n'apprend pas grand-chose de plus. Ici, c'est les missions. Et la faculté. Bah si, quand même. On apprend que Monsieur Wart était professeur d'anglais et de philosophie. Et du coup, on va pouvoir lui mettre une petite photo. Histoire de compléter un petit peu plus le dossier. Puis après, bon, c'est du blabla, ça a pas grand-chose d'intéressant. Et puis hop, par ici qu'est-ce qu'on a? Là c'est pareil, on a les résidents.
Ouais, c'est l'histoire de la ville, mais là, il n'y a pas grand-chose. Les visiteurs. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose. Ça, on est déjà passé par là, donc idem, il n'y a pas grand-chose. Et puis, il y a une chose qu'on peut éventuellement faire. Voilà. Comme on est des petits malins, on sait donc que Oleg, alors c'est pas Charlie Oleg, c'est pas le pianiste, mais on sait que Oleg Baquet, eh bien, a tendance à utiliser les noms des gens qui l'entourent comme mot de passe. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fout le nom de sa fille là? Et ben voilà. L'insider bah, va pouvoir fonctionner. Alors forcément on a tout ce qui est les différents outils, c'est le lecteur qui permet d'aller fouiller dans les sites, les blogs, les profils, donc tout ça c'est tout ce qui est lié à internet. Ça c'est les écoutes à côté, qui permet justement d'intercepter les conversations téléphoniques et les SMS qui sont envoyés. Et puis l'insider, bah, lui, il permet de faire un tour sur les PC personnels, où on peut peut-être trouver des informations intéressantes avec notamment, c'est là où ça va devenir intéressant, le numéro de Vartraban qui s'est affiché. Et comme on n'avait pas son numéro, bah ça tombe bien. Donc on va pouvoir ouvrir grand les oreilles. Archiver pour plus tard. Non, bah on va laisser faire, on va les laisser discuter un petit peu. Monsieur Vart qui discute avec une personne encore inconnue. Alors c'est pareil, on n'arrivera pas à... Bon, déjà, Karen My Love, bon bah... On sait que c'est quelqu'un de proche qui s'appelle Karen. Ça va certainement servir pour plus tard. Donc voilà un petit peu le principe de fonctionnement du jeu. Il faut être organisé, il faut aimer lire, il faut aimer décomposer, il faut aimer comprendre. C'est un rythme qui est assez lent, même si l'histoire est bien foutue, et bah, ça demande du temps et ça demande à être posé. C'est spécial, ça plaira pas à tout le monde, mais le jeu en lui-même est pas mal. Alors comparé au premier, qu'est-ce qui se passe? Et bah, il y a du mieux parce qu'il y a un peu plus d'outils et on a un peu plus de possibilités pour aller fouiner, il y a des choses qui sont un peu plus subtiles. Ça c'est plutôt le point positif. Maintenant on a des doublages sur les personnages, donc notamment dans les conversation avant c'était que de l'écriture. Maintenant il y a de l'intonation, c'est plus vivant, donc ça c'est plutôt pas mal. Le scénario lui tient plutôt pas mal la route, c'est pareil, c'est aussi fouillé que dans le premier jeu. Après, il y a des choses qui collent pas, alors on s'en aperçoit pas vraiment là parce que c'est le début du premier épisode, mais en fait il y a plein de choses qui font que le jeu il prend du plomb dans l'aile. Notamment en termes de scénario, eh bien, il y a pas mal de passages qui, pour faire progresser la trame principale, eh bien, on est proche de l'incohérence où c'est vraiment tordu, donc ça devient une vraie galère et on s'aperçoit que parfois des choses importantes ne mènent nulle part, c'est-à-dire ne développent pas le prochain script, alors qu'un truc vraiment sans importance, eh bien, déclenchera en fait le prochain appel ou la prochaine news. Donc ça c'est un peu foireux et moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un article avec le nom d'une personne qui était importante. Donc j'ai bien rentré la donnée et en fait ça n'ouvrait aucune porte, alors que au fin fond d'un tournoi de cartes qui en fait a aucune incidence sur l'histoire principale, eh bien il fallait coller ce morceau là pour pouvoir débloquer la situation. Alors dans ces cas là on se retrouve à coller des morceaux de texte qui n'ont aucun intérêt en espérant qu'il y en ait un qui débloque la situation. Donc ça foire un petit peu. Les embranchements, eh bien il y a toujours des causes et des conséquences, mais on est un peu plus tenu par la main. On est même parfois forcé parce qu'on n'a pas les options pour agir un petit peu comme on veut. Et les embranchements sont moins nombreux et il y a des conséquences, mais je trouve qu'elles sont moins radicales que dans le premier et il y en a beaucoup moins. Donc ça c'est le deuxième point noir. L'écriture est aussi fouillée, mais alors le truc c'est que les personnages, quand ça touche les personnages, et voilà. Alors, hello my love. Ça c'est en début de conversation. Hop, donc on apprend par exemple qu'il a une femme qui s'appelle Karen. Et puis ça c'est cadeau bonus. On va remettre une petite accusation comme quoi voilà, c'est.
c'est les soldats de la nation qui sont responsables de l'invasion des autres pays. Donc ça, ça va pas plaire. Effectivement, Paul Ford, normalement, elle a rien à dire, elle doit fermer sa gueule. Elle appelle ça une invasion, mais voilà, elle explique que les efforts dans par Jess ont justifié les opérations pour restaurer et garder la paix. Donc voilà, la guerre c'est la paix. Donc ça se recoupe. Et donc oui, je disais, donc l'écriture en termes des personnages, bah ça fonctionne beaucoup moins dans le premier. Dans le premier, comme je disais, on a des états d'âme, on n'est pas sûr, on décortique vraiment bien, on essaye de voir les conséquences que ça peut avoir, on essaye d'arranger parfois un petit peu le coup, même si ça se fait pas. Là ici, en fait, alors on s'en aperçoit pas, mais les personnages en fait sont des clichés sur pattes, et ça dégueule le cliché. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un supérieur, enfin du moins une... on a notre supérieur qui est une véritable connasse insupportable. C'est le cliché du méchant dans toute sa splendeur, qui normalement ne devrait rien nous dire parce que on est censé faire le job sans que ça déborde. Voilà. Ah mais voilà, et puis Karen était travailleuse sociale donc au foyer. Et c'est là où Raban est entré dans le pays quand il a quitté. Il a quitté le sien, donc ça c'est intéressant. Et donc voilà, donc effectivement le superviseur là c'est vraiment le... Elle ouvre trop sa gueule, voilà, elle aime bien répéter que ah, ils sont très très méchants, ils sont très très machiavéliques et que qu'est-ce qu'on est méchant, mais les gens c'est de la merde, on en a rien à foutre. Elle explique des plans un petit peu comme dans les films quand le méchant s'apprête à tuer le héros et qu'il explique tout le stratagème et toute la stratégie de merde. Bah là c'est pareil, donc ça devient carrément insupportable, c'est une pure connasse. Du côté de Raban, l'activiste, il est condescendant à mort, il est aussi insupportable à sa façon, et les doublages n'aident pas, parce que je pense que les doublages renforcent vraiment les traits de caractère. C'est pas que les doublages sont vraiment mauvais, c'est que ça renforce les défauts des personnages. Donc il est condescendant, il est insupportable, enfin c'est vraiment une bouse. Son frangin est une victime née, bah c'est bien, tiens, on a son numéro de PC, donc on va pouvoir aller faire un tour dans son ordinateur personnel. C'est une victime, bon, il se victimise en permanence, bon, c'est pareil, ça devient insupportable. Et donc sa femme, voilà, elle dégouline de bonne manière, enfin de bonnes intentions, alors qu'en fait, elle est pas plus blanche que les autres. Donc, puis numéro de sécurité sociale. Et avec ce manque de ces gros clichés là. Et ce manque de profondeur dans l'écriture avec voilà les motivations personnelles, qu'est-ce qu'il est travail, c'est moins développé, c'est beaucoup plus froid, ce qui fait qu'on n'a aucune sympathie pour les personnages. Et là où on avait des doutes dans le premier épisode où on réfléchissait aux options, et ben là ce qui va devenir des personnages, enfin moi clairement j'en ai rien à branler parce que je peux en saquer aucun. Donc clairement envoyer un innocent en tôle ou charger la mule un dossier de l'un des personnages, ou que l'un des personnages arrive à s'échapper, ou qu'il finisse en prison, ou qu'il finisse mort, eh bien en fait on n'en a rien à foutre. Donc les choix sont vite faits, et puis on fait froidement un petit peu le truc, et puis voilà. Donc ça perd carrément en intérêt, ça perd carrément en enjeu. Et donc voilà, ouais, petite chaise roulante. Donc voilà, ce qui fait que le jeu en lui-même est pas mauvais, mais que bah du coup ça perd énormément. Ça peut être intéressant. Ça perd énormément en immersion, et puis ouais, comme on n'apprécie pas les personnages, bah il y a moins d'enjeux, donc forcément on hésite moins, et puis on fait des expériences qu'on faisait pas forcément dans le premier, où on essayait plutôt d'assurer est-ce que les choses se passent bien. Donc ça merdouille un peu. Et puis le dernier truc qui foire un peu de la bite, c'est que dans ce jeu, il y a une gestion du temps qu'il n'y avait pas en fait dans le premier épisode. Savoir que l'horloge n'avance jamais, elle avance uniquement quand on poste des documents. Donc quand je mets un document sur cet onglet là, ce qui se passe, c'est que l'horloge avance de 10 minutes. Alors c'est bien. Bon, l'utilité, on voit pas trop ce que ça peut donner. Tiens, on va aller faire un tour dans les logs, il n'y a toujours rien. Sauf que comme il y a des événements qui sont scriptés, mais qui sont scriptés par rapport au temps,
C'est-à-dire que certains événements vont se déclencher par exemple qu'à 17 ou 18 heures, j'en dis pas plus. C'est prévu et il faut agir avant. Le problème, c'est que quand on est un peu rapide et qu'on arrive à démêler un peu le vrai du faux assez rapidement, eh bien on a fini la journée à 15 heures. Le problème, c'est qu'il faut attendre jusqu'à 18 heures pour que le script se déclenche. Et donc ce qui se passe, c'est que le seul moyen de faire avancer le Schmilblick, eh bien comme on n'a pas moyen d'avancer l'horloge par nous-mêmes, eh bien, ce qui se passe, c'est que on est obligé donc de prendre des informations et des dossiers et de les poster pour faire avancer l'horloge jusqu'à l'heure fatidique. Alors le problème, c'est quand il est 16h et qu'il faut attendre 18h, et puis on se retrouve à poster des tas de merde, justement des documents inutiles pour faire avancer, ou 10 fois, tiens, on va faire ça. Alors ça va être intéressant. Hop, on va prendre l'adresse de Rabanne. Ce qui fait qu'on va pouvoir, comme il est devenu une cible, on va pouvoir le mettre sur écoute. Et puis là, on apprend que le blog, il est supporté financièrement par les anges de la nation. Alors là, tu vois, c'est le genre de conséquences qu'on va pouvoir avoir. Parce que justement, une fois qu'on a cette information-là, bah, ça va être intéressant. Puisque finalement, The Office va peut-être passer un petit coup de fil justement aux anges de la nation. Et peut-être que financièrement, ça va poser un problème au blog. Et peut-être qu'il va plus y avoir de pognon. D'un coup comme ça, comme par magie. Et donc oui, voilà. Donc là, clairement, c'est une perte de temps, on se fait chier et on se demande pourquoi l'histoire avance pas. Ben, c'est simplement parce que les choses sont prévues parfois à telle heure et que si on a fini avant, ben, ça se déclenche pas. Donc on télécharge en permanence. Hop, là on apprend qu'il a un frère. Hop, et là on va pouvoir élargir un petit peu. Alors ça, on a eu. Et donc voilà. Donc le jeu est pas mauvais en lui-même. De toute façon, le jeu coûte... j'ai regardé ça. Ouais, ça j'ai déjà regardé. Du coup, comme je parle... Ah bah voilà, on a l'adresse aussi de... Très intéressant ça. On a l'adresse de Oleg. Il est encore signalé sur le GPS, donc ça c'est plutôt pas mal. Le jeu est pas mauvais. Il est assez court. Puisqu'en 4 heures, en gros, ça va être... on peut le finir en 3h30, 4 heures, en prenant son temps. Ah, voilà. Là, effectivement, Oleg, il avait peur que sa couverture soit grillée par Rabanne. Donc, sa couverture d'agent infiltré. Donc, ça peut aider. Chose qu'il n'aurait jamais dû savoir, puisque c'est pas, y a rien d'officiel. Et qu'il est parti se réfugier dans, sa cache secrète. Donc on l'a pas enlevé, mais il s'enfuit. Donc ça c'est bon à savoir. Puis là on va aller fouiner. Donc qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? On a vu qu'il n'y a pas grand-chose. Bon, l'historique, bon, il va pas y avoir grand-chose. La poubelle, qu'est-ce qu'il y a à la poubelle? Ah! Alors, le numéro de téléphone de Oleg Baquet, qui est une ligne sécurisée, donc normalement, qui n'aurait jamais dû sortir des documents confidentiels, et ça a été fourni par David Jones, donc ça va peut-être nous donner un... C'est normal. Ça va peut-être nous donner encore une piste à explorer. Hop. Et là, ça bip dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Non, là, je crois que c'est bon. Les images, on s'en fout un peu. Si ce qu'on va faire, c'est que là, en fonction des photos qu'on va donner, ça va jouer un rôle. Alors moi, je sais laquelle photo je vais donner. Alors je vais pas... Si, je vais donner un exemple. C'est comme Baquet est un agent double. Il y a deux possibilités. Soit je donne cette photo où il serre la main du président du pays du parmesan. Je sais plus comment il s'appelle, du pays voisin. Ce qui fait qu'il n'en a pas averti The Office et que ça risque de mal tourner pour lui parce qu'on peut mettre en doute sa loyauté. Ou alors, la navigation. Je peux poster celle-ci qui montre que Baquet était en plein deal avec Rabanne.
Pour qui, pourquoi? On a bien une idée. Étant donné que Raban était directeur de l'école et qu'à un moment donné il a demandé la protection de l'armée, voilà. C'est certainement ça. Ce qui peut s'expliquer. Bon là celui-là, ouais, c'est resté validé, mais il n'y a pas grand chose à savoir. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Les logs, on s'en fout. Les essais, on s'en fout. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et ici, on a quoi? Ok. Pas grand-chose non plus. Là, on apprend qu'il a perdu la capacité de marcher. Voilà. Et là, Glingling. Et une autre conversation. Bon là ça fait déjà 50 minutes, je voulais finir l'épisode. Mais là il y a encore un petit peu à faire. Donc du coup, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là. En gros, on a déjà vu pas mal de choses. Donc il faut savoir trier, il faut savoir écouter, il faut savoir interpréter des informations, si elles sont au premier, au second degré. Il y a une différence entre les déclarations publiques et privées, tout ça, il faut savoir trier. On a différents outils, donc le lecteur qui permet d'explorer tous les sites, toutes les saloperies de Facebook, les sites internet, les profils, les compagnies, les écoutes permettent d'intercepter les conversations téléphoniques, de les archiver et de choper les SMS. L'insider, eh bien, lui permet de retourner n'importe quel ordinateur personnel ou téléphone. Et les influenceurs, alors ça arrive plus tard dans le jeu, je vais en sortir un petit mot quand même. C'est simplement un panel d'influenceurs. Alors c'est pas les influenceurs de YouTube qui diffusent du marketing de merde à foison. Là, ces influenceurs-là sont un peu plus méchants, puisque en piochant des morceaux d'informations comme je l'ai fait, sortis de leur contexte, eh bien, on peut transformer de la merde en or, à savoir qu'on peut, c'est une façon de contrôler les médias. Donc je prends quelques morceaux d'informations, des morceaux de données qui sont vrais, je les sors du contexte, et en fait, on en fait une histoire toute neuve, et cette histoire toute neuve, en fait, ce sera une histoire fausse, mais construite avec des petits morceaux de vérité, et ce sera diffusé massivement, ça sera diffusé massivement sur tous les réseaux d'information et les réseaux sociaux, ce qui déclenchera une tempête de merde, comme on n'en a jamais vu, et ce qui fait que ça peut affaiblir aussi médiatiquement l'adversaire, puisque les gens ont tendance à gober ce qui est marqué sur le bazar. Donc voilà, mais ça c'est en dernière partie de... C'est la dernière partie de jeu, c'est une idée qui est intéressante. Après, c'est une partie où on est aussi beaucoup plus tenu par la main, comme le jeu. C'est vrai que le jeu nous laisse quand même moins de liberté. Et qu'avec la salope un petit peu autoritaire qu'on a au-dessus de la tête, finalement, des possibilités, on en a plus énormes. Et en gros, on peut vraiment agir sur la dernière partie du jeu ou la dernière moitié du jeu, donc ça c'est un petit peu dommage. Et donc voilà, donc là je vais pas dévoiler le reste parce qu'il y a encore pas mal de petites choses à faire. Donc là voilà, comme Raban est une cible, et on a accès à son dossier médical qui voilà nous explique qu'il a été bloqué sous des blocs de pierre pendant au moins 24 heures suivant le bombardement des buildings, enfin des bâtiments de son école, et ce qui a eu pour conséquence de le rendre handicapé et qu'il est maintenant en chaise électrique. pas en chaise électrique mais en chaise roulante. Donc voilà. Donc il y a encore un petit morceau pour finir le jeu, mais pour l'instant on en a vu assez. Et puis ça apporterait pas grand chose. Le jeu est déjà assez court, donc 4 heures. Donc là si on en fait 1 heure ou 1 heure et demie, on aura déjà montré une partie du jeu. Ce serait dommage pour ceux qui veulent découvrir. Je vais y arriver, je commence à être fatigué. Donc en gros, le jeu est pas mauvais, c'est intéressant. Le prix il est pas élevé, c'est 9,99€. Bon, c'est un petit billet de 10. Il est indépendant du premier jeu.
Il a plus de lacunes, il y a quand même des choses qui sont tirées par les cheveux. Si on fait pas les choses dans l'ordre, ça risque de bloquer, ça merde. Il y a des informations qui ne sont pas absolument pas vitales, mais qui débloquent plein de choses. Bon, bref, c'est un peu mal foutu, c'est un peu plus tordu. Et clairement, si on devait choisir entre les deux jeux, sachant qu'ils sont au même prix, le 1 est quand même meilleur. Et le 1 est à essayer, celui-ci on peut le faire par curiosité après. Mais le 1 est encore devant. Le mieux ce serait d'avoir un Orwell saison 3 avec les possibilités de fouinage de celui-ci et avec l'écriture et l'intrigue et la profondeur du premier. Mais bon, ça ce sera peut-être pour plus tard. En tout cas, voilà. C'est pas mauvais, mais ça en a quand même perdu par rapport au premier. Et ben voilà, je crois que tout est dit, tout est fait. C'était les gros jeux du PC. À une prochaine pour une prochaine vidéo. Et bougez bien.